Bilingue parce qu'on ne fait pas qu'apprendre à apprendre le français, mais on apprend aussi la langue des signes, des cours de langue des signes dans lesquels on apprend à passer de deux langues à l'autre, d'une langue à l'autre, par exemple de la langue des signes au français, ce qui sera utile pour notre futur à l'université. C'est une école bilingue, inclusive d'ailleurs, parce que dans la cour il y a des entendants, il y a des sourds, on est mêlés ensemble. C'est une école bilingue avec des classes inclusives. Ça va ? Voilà. Et déjà pour week-end, la journée. Par exemple, en cours, quand le prof parle de temps en temps, je l'écoute. Mais parfois, la classe fait beaucoup de bruit. Et à ce moment-là, je m'oriente vers le professeur en langue des signes. Je passe des deux professeurs, les professeurs n'ont aucun problème avec ça. 0,4, c'est 1,9. Comment ? Entre 0,4 et 1,9. Entre 0,4 et 1,9, ok. Donc il faut dépasser 1,9. Et pas en V. Vous connaissez la conformation spatiale de la molécule de méthane. Pour moi, il est important d'apprendre aussi la langue des signes et pas uniquement d'apprendre le français, parce que ça nous permet d'élargir nos horizons et mieux progresser dans la vie de tous les jours, être plus ouvert à certaines choses. Dans la vie de tous les jours, avec ma famille, j'utilise français et parfois la langue des signes quand je ne comprends pas telle phrase ou ce qu'ils me disent. Mais tout à fait aussi avec mes amis entendants, j'utilise le français. Et avec mes amis sourds, j'utilise la langue des signes. Donc dans une journée, la moitié de la journée, c'est-à-dire le matin, le soir, j'utilise beaucoup le français ou même à l'école. Et pendant les cours, avec mes amis sourds, j'utilise la langue des signes, c'est du 50-50.
Merci.